deux équipes de 5 qui vont s'affronter sur un sujet que vous n'allez pas être attribué par le public. On vous tirera au sort à chaque début de match. Quand le sujet est tiré, vous avez 30 secondes de caucus. Vincent sera là pour faire des interludes musicales. Et au bout de ces 30 secondes, il faut avoir au moins une personne de chaque équipe sur scène et vous commencez l'impro. Ça, c'est la base. Important, pour les improvisateurs maintenant, essayez de rentrer un par un par chaque équipe, parce que ça, c'est au niveau de la compréhension du public. Si vous rentrez à 3, ils ne vont pas savoir ce que vous faites en même temps. Ça, c'est des petites règles à savoir. Essayez d'éviter le refus, c'est-à-dire quelqu'un vous propose quelque chose, alors on est à la montagne, non, on est à la plage. Dans ce cas-là, vous perdez très vite le public, il ne sait pas trop où vous allez. Donc ça, c'est important. Essayez d'avoir ces règles en tête, comme ça, ça ira beaucoup mieux au niveau de la compréhension. Donc les matchs durent 2 minutes. Pour les improvisateurs, un peu d'attention. Quand je fais des signes, pensez-y, parce que c'est pour vous donner le temps. Quand je fais ça, c'est qu'il reste 1 minute, 30 secondes, 10 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. La chute doit être trouvée quand j'ai le point comme ça. Pensez bien à trouver une chute, parce que si au bout de 20 secondes, je vois que vous n'arrêtez pas l'impro, je vais vous arrêter. Donc après ça, comme vous pouvez le voir, on a un jury magnifique ce soir. Avec Marina, Caroline, Pierre-Alexandre, et Nicolas Grandjacquier. Pour voter, ça va être très simple. Il y aura une équipe de ce côté-là, une de l'autre. Donc si vous êtes pour l'équipe de gauche, vous vous présentez de ce côté-là. Vous êtes de gauche et de l'autre. Pensez-y. Alors, on a un sonomètre cette année. Ça, c'est cool, ça veut dire que ça sera au gueule ou gueule. Ça veut dire qu'on demandera pour la première équipe qui pourra gueuler. Et la deuxième, pareil, celle qui aura le plus gueulé, gagnera la manche. Il faut savoir, c'est éliminatoire à chaque fois. Et on arrive jusqu'à la finale. Donc maintenant, on va pouvoir commencer. Je vais sélectionner 2 équipes et on est parti. Ready? 1.